Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. En tout cas, je m'ennuie. Ouais. T'as... C'est à propos du piquet de chez Missy, hein? Ouais. C'est même plus marrant. Je sais même plus quoi faire, en fait. Ouais, c'est bien comme ça. Boobies. Non, Guy, c'est même plus marrant. Alors j'arrête. Si tu trouves pas malin, j'arrête. Ouais. Ouais. Panthéro, c'est ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans notre maison? Je suis là pour vous donner une requête. Quelle requête? Débarrasser de cette fille qu'elle s'appelle Cure Lovely. Je hais les précures. Mais oui! C'est l'activité d'aujourd'hui. On va faire chier Cure Lovely. Tu changeras jamais. Boobies. Yeah. Justement, elle déteste les panthéros. Et dit que Missier, elle a dit que Mickey de chez Missier, c'est le meilleur. Et de plus, c'était pas la peine de renforcer le coup. Elle avait dit que c'est oui. Ah bon? Oui. Ouais, allez, oui. De toute façon, c'est juste pour la torturer. Parfait. Cet endroit est beaucoup plus effrayant que dans la vie imaginée. La voilà! Ouais! Il faut la débarrasser d'elle! Mais je croyais que tu voulais pas faire quelque chose de bien. Bah, si il avait dit que. Marie l'avait dit en cours de route, elle avait dit que Garfield pue la merde. Et elle préfère Jean-Denis René que Garfield. Et ça, je refuse. Ok. Donc, quand elle va approcher, on va profiter pour l'attaquer. Boobies. Ouais, c'est ça, Boobies, toi, elle. Elle arrive. Pas encore. Elle arrive. Pas encore. Elle arrive. Elle est très loin. Elle arrive. Attends, où est-ce que tu... Ok. Quoi? Faut pas compter sur toi, hein. Enfin, le cristal Z est à moi. Alors, poison? J'aurais préféré une couleur vive rose. Mais qui es-tu, toi? Oh putain, encore un chien de chez Missier, hein? Non, je suis plutôt. J'ai quitté Mickey depuis longtemps, hein, parce qu'il casse les couilles. Très intéressant, hein? Est-ce que tu es l'ami de Cure Lovely? Hein? Tu connais Cure Lovely? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas pourquoi, mais il m'est rien arrivé d'un coup. Mais je ressens encore une grosse douleur. Je pense... Gros douleur? Où est-ce qu'il voulait en venir par là? Oula, je sens pas cette histoire. Ouais. Oh! Je demande où est-ce que ça pourrait l'amener. Salut, Boobies. Hein? Alors, comme ça, tu es Cure Lovely, hein? Comment vous le savez? Ouais. On est là pour t'arrêter, sale peste. Ouais. Et sachez que... qu'ici, c'est là où se trouve le temple du poison. Du poison? Ouais. Okay. Pourquoi t'as dit ça? Parce que j'aimerais bien faire un rendez-vous avec cette fille. Mignonne et sexy. Ce chat ne sert à rien. C'est contre moi que tu vas battre. Fais gaffe, parce que moi, je suis le plus fort des chats. Ok. Pourquoi tu voulais m'attaquer? Tu m'avais dit que je suis un chat de merde et que je préfère Jean du Grenier. Jean du Grenier? Je connais pas Jean du Grenier. Fais pas ton cinéma. Ça suffit, je vais te battre le coup de cocotte. Écoute, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Oh si. Oula, calme-toi, calme-toi. Calme.
Caramel lasagna. Je pense. Où est-ce qu'elle est passée? Alors là, tu vas regretter pour ce que tu viens de faire. Oh, ah ben, prêt. Oh, 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 oh. Écoute, je te dis que je veux pas de mal. Donc, arrête de m'attaquer. Oh, menteuse. Je vais utiliser mon coup de grâce. Sune, j'aime bien les frites. Attends, j'ai pas dit mon dernier mot, sale peste. Allez, fais du hentai, Yogi. Tais-toi. Oh, tu veux que je t'aide? Non! 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 Mais, putain! Ouh là là, je me sens pas bien! Ça va pas? Salute, bitch! Qui es-tu? Je m'appelle Panther Rose. Eh oui! Moi, Panther Rose. Et je retourne dans ma trompe parce que je trouve que c'est classe comme ça. Plutôt que, voilà. Non mais franchement, pourquoi est-ce que je suis sorti d'ici, de ce trône? C'est complètement con. Je trouve ça classe quand je suis dans le trône. Qu'as-tu fait, Pluton? Eh ben, ça m'a l'air évident. Je lui ai foncé, je lui ai griffé. Et je me suis rendu compte que ces cristaux de poison permettent d'empoisonner qui que ce soit. Sale monstre! Oh ouais, tu peux le dire ça. Et de plus, bah, non seulement en essayant de ridiculiser Mickey de chez Missy, hein, en plus d'essayer de détruire Sailor Venus, en plus d'essayer de détruire Nintendo, Pokémon, ensuite d'essayer de détruire... ça suffit, on a compris. Et ce que tu as fait, c'est monstrueux. Je te pardonnerai pas. Oh ouais, tu peux le dire. Parce qu'est-ce qui paraît, tu avais dit que Panthé Rose, c'est nul. Non, j'ai jamais dit ça. Mais maintenant que tu m'as montré mon vrai visage, t'es quelqu'un de cruel. Merci du compliment. Et c'est moi que tu vas devoir m'affronter. Et ne te fie pas à mon apparence. En moi-même, je suis beaucoup plus forte. Et grâce à ce pouvoir Z de ce cristal, je suis encore plus fort. Et je n'hésiterai même pas à t'empoisonner. Alors, approche si tu es une fille. Fais bien attention. Il a raison, ce mec. Je suis... Ah, tu as dit que je suis un mec? Ah, merci de le compliment. Alors là, je te pardonnerai pas ce que tu as fait. Ouais, 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 bla, 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 ouais, ouais, ouais. On pousse pas maintenant. Punch. What? Saloperie! Je vais te montrer de quel bois je me chauffe! J'en ai marre de ce temps de combat de merde! Tu vas arrêter de répéter ce nom de merde! C'est impossible! Comment je pourrais réussir à t'attaquer? Qu'est-ce qui... Marie? Hein? Tu étais empoisonné, mais pourtant j'étais... Oh! J'ai compris! J'ai compris! Mais ce n'est pas seulement mon griffe, c'est aussi mon corps! Lovely! Allez, approche si tu es une fille! Ah oui, j'avais complètement oublié! T'aimais pas calme de me battre! Regardez-moi ce pouvoir! Oh mon dieu, je suis beaucoup plus forte qu'avant!
Je te pardonnerai pas ce que tu as fait à l'Ovely. De toute façon, vous avez perdu. C'était un combat totalement court, je dois admettre. Et j'ai gagné. Enfin, moi... Qui a crié? What? Boobies. Tu vas t'empoisonner. Je ne sens rien. Quoi? Je ne sens rien. Mais le poison n'a plus aucun effet. C'est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi. Au secours. J'ai compris. Son humiliation, c'est son point faible. Mais oui. Attends, quoi? Comment ça? Ouais, c'est pourtant évident. Panthéros déteste se faire humilier. Maintenant, il ne reste plus qu'à attaquer. Panthéros! Alors là, tu vas regretter pour ce que tu as fait. Faisons l'amour. Foggy! Mon cristal Xerine! Quel caron, ce chat! T'es sûr? Parce que c'est une panthère? Ouais. Je suis un mec, pas une fille! Oh. Ça expliquerait sa couleur. Le cristal Z? Ce cristal Z me fait grave penser à du poison. Ouais, ça porte bien la couleur, en tout cas. Est-ce que je pourrais voir le cristal Z? Quoi? Tu as le même objectif que moi? Exactement. Oh. Oui, si tu veux, vu que tu m'as porté secours. Alors, c'est ça, quoi, ça? Oh. Ça va pas. Oh, ça recommence. Mais je vois une autre fille. Mais sans que cette fois, je me demande. Oh, j'arrive pas à comprendre cette couleur. Je peux le voir son visage, mais je peux pas voir son vrai état. Une fille, c'est ça? Bon, attends, je comprends pas. Moi, je ne ressens rien. Je ne comprends pas. Si toi, tu as réussi à ressentir quelque chose, alors pourquoi moi, je n'ai rien ressenti? J'ai une question. Pourquoi tu suis l'objectif? Ouais. Ah, c'est toutes les bonnes questions. La vérité, c'est que je ne suis pas seulement ici pour chercher uniquement les cristals Z. C'est afin que je puisse retrouver mon frère, puis donner une bonne leçon. Hein? Ton frère? Et il s'appelait comment? Ren. Ren? Ouais. La vérité, c'est que Ren a disparu depuis. On s'est disputé, on s'est battu comme des vrais guerriers. Et il a disparu soudainement. Mais je me demande où est-ce qu'il est. Ren? Ouais, Ren. Écoute, si tu as le même objectif, je pourrais t'aider. Vraiment? Oui, une fois qu'on aurait réussi à résoudre tous les problèmes, on pourrait chercher ton frère. Alors là, c'est une super bonne idée. Mais comment va-t-on faire pour rechercher mon frère? Peut-être que ça a un rapport... avec les cristals Z, on pourrait peut-être trouver la réponse. C'est sûr. Bon. Je rejoins dans ton équipe. Et croyez-moi, et crois-le ou non, à deux, on sera beaucoup plus forte. Ça, c'est clair. Plutôt vient de rejoindre dans l'équipe. Qui a parlé? C'est moi, le narrateur. T'es vraiment bizarre à toi. Le plus gros problème, c'est que comment va-t-on faire pour sortir d'ici? Je pense qu'on devrait suivre ces deux chats qui ont essayé de sortir. Ah bon, d'accord. Oh, c'était très simple à sortir. Oula. Alors, maintenant qu'on a récupéré le deuxième cristal, c'est quoi notre prochain but? Je sais où est-ce qu'il est le troisième cristal. Ah bon? Ouais, c'est pas pour rien, je rejoins dans ton équipe. Je vais aussi t'aider à retrouver tous ces cristals. Le prochain cristal se trouve dans cette ville-là.
Et on devrait peut-être poser des questions. Ouais, on sait jamais. Allez, suis-moi, Kyurlovli. On n'a pas de temps à perdre. Ouais, c'est clair.